Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play sur Portal. J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour un let's play jeu en entier. Je vais faire ça sur ma chaîne, donc ça vous fera un petit peu de vidéo, ça peut vraiment être pas mal. Déjà comment on sort ici. Donc je sais que vous connaissez déjà tout ce jeu, mais ça peut vraiment être sympa de faire des let's play sur quelques petits jeux. Donc si vous voulez ça, dites le moi. Ouais, le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Putain, ce jeu-là teste bien l'intelligence et tout. C'est plutôt pas mal. Parfait. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé la traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Placez le cube de stockage lesté sur le gigabouton d'extra-collision d'Aperture Science à charge supérieure de 15 000 mégas. Ah, j'ai perdu le cube. Ouais. Bah, le cube est passé, mais pas moi. Ouais, ça c'est bon. Foncez là. C'est bon. Parfait. Retournez rapidement dans le sas, car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Et là, on va vraiment commencer l'aventure ici. Nous apprécions votre diligence. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir de beaucoup quand même. Dirigez-vous vers le sas. Attention à la main. Ouais. Je peux pas mettre le jaune. Bien, le programme Amener votre fille au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer. Bah, le début ça va être assez simple, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Franchement, j'ai déjà fait l'histoire, hein, mais c'était il y a longtemps, donc à mon avis, là ça va beaucoup changer. Donc c'est bien, au moins c'est plutôt fluide. Moi je vais faire tomber toutes les caméras. Bienvenue dans la quatrième salle de test. On peut pas faire tomber. À mon avis, il y a un cube à avancer. On peut toujours pas mettre. Ok.
si ça, ça va pour l'instant. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance. On va bientôt, je pense, avoir le portail orange. Après, on va devoir commencer un petit peu les choses sérieuses, on va dire. Je sais pas où c'est, il faut que je regarde dans la salle combien on arrive. Ça va avancer automatiquement. Comment je peux choper le baiser? Attention, je peux pas faire ça. Non, ça ne marche pas, attends. La bonne exécution des activités autorisées. Veuillez ne pas détruire les appareils de test vite. Ouais, bon, bah, j'ai cherché un truc là pour y aller. Pas ça du tout. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Ouais, bon, c'est juste... Pour l'instant, ça va, ça va. Bon bah là ça va commencer un petit peu les choses. La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle. Incroyable. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de... Ville du sujet. T'as debout. Je sais pas c'est quand qu'on va récupérer le portail orange. Ça ne dure pas trop longtemps. Après ça va commencer un peu à partir dans tous les sens. Hein. Tous les équipements mobiles doivent être munis d'avertisseurs audibles. Cependant, les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les sphères ultra-énergétiques. Pour votre sécurité, elles ont été désactivées. Bien. Utilisez maintenant l'échafaudage non stationnaire d'Aperture Science pour atteindre le SAS. C'est quand même bien fait comme jeu. Il n'y a pas à marquer salle 7, je sais pas combien il y en a, mais avoir au moins. Je sais absolument pas combien il y a de salles. Salut sur 19, mais je pense que c'est... Touchez le sol de la salle. La mention insatisfaisant sera portée sur votre rapport officiel et sera suivie de votre mise à mort. Bonne chance. Non.
Ah oui, ok, donc faut déjà qu'elle tape là. Elle va revenir. Merde, elle se pousse. Donc là, elle va aller là. Je vais la laisser aller dans le mur et je vais en face. L'aider, ouais. Là, elle va dans le truc. Sans se voir. Comment je vais ouvrir? Bon, je vais tomber. Ah, c'est sûr, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Hein. Ah, c'est très impressionnant. Toute situation dangereuse sert uniquement à améliorer le déroulement de votre test. Il y a un délire comme ça, je sais plus ce que c'est, mais j'avais un strike vraiment bizarre quand même.